Il y a un personnage important dans ta vie, c'est Pierre Perret. Oui. Vous avez tant de choses en commun avec Pierre Perret. Tiens, on va vous retrouver sur scène. Vous avez chanté souvent ensemble, notamment ici en 2003. Et ensuite, on va accueillir Pierre qui publie un nouvel ouvrage qui va beaucoup t'amuser. Pierre Perret et Laurent sur scène. Les jolies colonies de vacances, merci maman, merci papa. Tous les ans, je voudrais que ça recommence. Youkaïdi, Haïti, Haïta. Au Becté, on nous met à l'aise. C'est vraiment comme à la maison. Voilà. Les faillots et du vrai béton, j'ai l'estomac comme une falaise. Matin, on va faire les poubelles. Les surveillants sont pas méchants. C'est vrai. Ils ronflent les trois quarts du temps, vu qu'ils sont ronds comme des queues de pelle. Les jolies colonies de vacances. Merci maman, merci papa. Allez, Fredo. Tous les ans. Pierre Perret est là. Quand Laurent Gérard est là, Pierre Perret n'est jamais bien loin. Alors Pierre, je ne sais pas si tu l'as lu, ça c'est extrêmement émouvant. Non. Bon, alors, tu verras que dans cette année, les pommes sont rouges, où il rend hommage à son grand-père pendant la drôle de guerre. Il raconte que tout petit, il chantait des chansons de Pierrot. Bah évidemment. Non, il m'a fait monter sur scène. C'est quand j'avais 5 ans et effectivement, non seulement on t'écoutait, mais il avait l'esprit rieur. Il avait l'esprit rieur, il avait le sens de l'amitié. Voilà, donc et il n'aurait pas renié la nôtre. Grâce aux chansons de Pierre, tu t'es éveillé à la sexualité parce que très tôt. T'as découvert le zizi. tu as découvert le zizi avec Pierrot. Oui, mais... Si je... Enfin, ben oui, enfin pas avec si, Pierrot, mais si avec... Si j'ose m'expliquer. Attends, non, ouais. Non, attends, gardons nos distances. Non, mais je te signale que déjà à l'époque, je sais qu'il chantait le cul de Lucette. Oui, oui, le cul de... Mais il n'y a pas que le zizi, il y a le cul de Lucette aussi. Ah ben, il y a un album Pierrot, pas à mettre entre toutes les mains, si j'ose m'exprimer ainsi. Oui, ah, les chansons érotiques au cul, ah oui, les par chansons exemple. Païennes. Alors ça, on va en dire un mot. Les grandes pointures de l'histoire par Pierre Perret. Alors, il y a du Guesclin, il y a Lucrèce Borgia, il y a Jeanne d'Arc, il y a Henri IV, Louis XIV, Louis XVI, Catherine de Russie. Mais sur la couverture, j'ai l'impression que tous ces grands histoires ont la même tête, c'est celle de Pierre Perret. T'as été Jeanne d'Arc. Regarde, 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 ça a de la gueule, ça, quand même. Et regarde, regarde, Pierrot. Et c'est pas fait, regarde. Formidable, oh, ça te va bien, l'armure. C'est une bonne idée. Faudrait imaginer avec la tête de Hollande aussi. Non oui. Bonne idée. T'iras pas loin. Allez. 350 pages. Pierre photographie un personnage historique avec des dessins de loups. Hein, ouais, très magnifique. Beau. Alors, du Guesclin, il était tordu comme un bretzel. Regarde. Jeanne d'Arc a entendu des voix qui lui ont dit « Ma cocotte, réveille-toi. Il est temps d'aller filer la pâtée au roast beef qui vienne siffler notre pinard en Bourgogne. Mais tu vois, au moins, on retient l'histoire comme ça. Ah oui, c'est alors Henri IV. Ça Henri IV, très bien. Oh, alors Henri IV, c'est génial, regardez. Henri IV, il pouvait passer 18 heures d'affilée sur son cheval Henri IV sans en descendre. Sa poule au pot, bah oui. Oui, mais écoute, écoute. Sa poule au pot. Mais écoute, Laurent. Henri IV, il pouvait passer 18 heures d'affilée sur son cheval sans en descendre, mais il faisait pareil avec ses maîtresses. Je continue. Ça nous les rend sympathiques. Je continue, hein. Pierrot. Si tu veux. Allez, je continue. Louis XIV. Alors, Louis XIV. Il fit bâtir Versailles pour qu'on le regarde se déshabiller le soir et se gratter les noix le matin. Mais c'est vrai. Ah, je te l'envoie tout de suite. Tu vas te marrer. C'est pas fini. Catherine de Russie. Regardez toutes les pompes qu'elle a en dessous. C'est ça. Elle avait la cuisse accueillante. Elle a eu 300 amants. Et ouh, ça vous fait envie, madame, hein, oui. Napoléon, le plus grand cocu de tous les temps. Ben oui, c'est connu. Et Napoléon, il avait des lèvres de lézard et une brioche de dindonneau. Maintenant, il y a autre chose. C'est Balthazar, tête de bois. Ah oui, ça c'est une belle aventure. Parce le que petit garçon qui voulait réussir sa vie, c'est un conte de Guillaume et Johan oui. Ledoux.
avec des chansons. Et oui. Parmi les chanteurs, il y a Pierrot, il y a Cali, il y a Thomas Fersen, Élodie Frégé, Michel Fugain, oui. Alex Lutz, entre autres. Et c'est lu par Sylvie Testu. Oui, c'est les frères Ledoux qui m'ont demandé ça au départ, parce qu'ils ne savaient pas comment le monter. Et ils avaient demandé un peu à droite à gauche, personne ne voulait le faire, mais si on leur a dit, vous n'êtes pas connus. Donc. Et moi, ils m'ont demandé, je l'ai lu, et j'ai trouvé très sympa, parce qu'elle est très très bien de leur comédie musicale. C'est l'histoire d'un bébé, d'un enfant qui, même déjà dans le ventre, il entend tout, il comprend tout, et il sait surtout déceler tout de suite les menteurs. Et comme des menteurs, il y en a beaucoup, mais il a passé sa vie, une fois sorti, à voir partout où on mentait. Et donc, l'histoire est magnifique. Et il y a un personnage dedans, c'est Balthazar, et ils m'ont demandé d'enregistrer ça, et quand ils ont dit après, Pierrot vient, tous les autres sont venus, Cali, tout ça, ils sont tous venus, Thomas Fersen, il y a une distribution formidable, et à l'arrivée, c'est magnifique. Voilà. Belle histoire. Voilà, oui. Un conte de Guillaume et Johan Ledoux. Sinon, tu es en pleine forme. Oui. L'hiver arrive, tu as fait tes conserves. Oui. C'est fait. Oui. Le sifflard aussi. Tout est prêt. J'ai fait les sauciflards et les pâtés. Alors, maintenant, j'ai une nouvelle à te donner d'un lapin. Tu te souviens quand on a fait le Vivant Dimanche chez toi? Oui, tu n'as pas suivi là-dessus. Alors, il y avait un gros lapin qui était chez toi, bien entendu. Ma femme m'a dit, le lapin, pas question de le bouffer. Donc, le lapin, il est chez moi. J'en ai 18 maintenant. Eh bien, oui. Je te remercie. Je te remercie. Oui, parce que quand il l'a amené, c'est Rebecca qui m'a dit, oh là là, il va avoir des surprises parce qu'elle est en cloque, maman. Alors, évidemment, quand j'arrive chez moi... Chantal Goya, là. La, 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 la. C'est pour toi, les grandes pointures de l'histoire. Merci beaucoup. Voilà. Oh, merci. Voilà. Pierrot, tu restes avec nous.